Bonne nouvelle, à Bemao, le service de restauration scolaire dans les écoles primaires a partiellement repris depuis ce lundi. Les enfants sont privés de repas depuis le 6 janvier dernier en raison du conflit qui oppose la mairie aux agents municipaux. Pendant presque un mois, les parents ont dû s'adapter. C'était très compliqué et bien sûr, ça a eu un coût financier pour les parents. Donc, il y a des parents qui étaient salariés, qui sont salariés et qui n'ont pas pu se retourner, qui ont dû faire appel à une nounou, prendre des dispositions parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les grands-parents encore en vie, etc. Et puis aussi, un coût financier puisque il a fallu chercher les enfants et les redéposer à nouveau, et ça a un coût au niveau du carburant, sachant que le carburant ne cesse d'augmenter. Donc imaginez le surcoût pour l'ensemble des parents. S'ajoute à cela le problème du remboursement des repas non consommés. Sur ce point, la mairie s'est engagée à indemniser les parents. Nous avons été reçus par le maire, les représentants d'associations de parents d'élèves. Cette question-là a clairement été abordée. Il y a eu engagement de la mairie pour un remboursement du non consommé en matière de cantine. Il est clair que nous sommes encore en conflit, ou plutôt que le conflit entre la mairie et ses employés perdure encore. Nous attendons que ce conflit-là se termine pour voir et être vigilant d'ailleurs sur les suites données à cet engagement-là. Les parents espèrent qu'un accord sera vite trouvé entre la mairie et les agents municipaux pour que la ville retrouve son calme.